Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Université sur Ligne et ses organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de cette conférence et d'une certaine manière m'avoir donné l'occasion de travailler sur l'histoire de ma ville natale que je ne connaissais finalement assez mal et ces recherches ont donc été captivantes. Alors, pourquoi cette conférence? Vous le savez, vous l'avez évoqué, le théâtre Tivoli et son avenir nourrit un certain nombre de débats depuis quelque temps, et c'est dans ce contexte que je me suis intéressée à l'initiatrice de ce théâtre, à savoir Marguerite Lemeau, et j'ai, il y a quelques mois, fait quelques recherches pour mon père, j'ai envie de dire, je me suis pris au jeu et j'ai donc été amenée à m'intéresser à la vie culturelle de Clisson à l'époque de Marguerite Lemeau, à savoir donc les bornes de cette conférence vont être 1848-1925, puisque c'est les dates de naissance et dates de mort. Et ce sont ces recherches que je vais partager avec vous ce soir. Alors, bien sûr, j'ai puisé, et je voudrais d'abord le préciser, j'ai puisé dans les travaux scientifiques nombreux qui existent sur Clisson, en particulier le travail vraiment remarquable qui a été fait par une équipe de conservateurs dans l'ouvrage qui reste l'ouvrage de référence, à savoir Retour d'Italie, qui est paru il y a un moment maintenant, donc en 1990. Et des recherches plus vastes de Claude Conneau, Alain de Laval, Jean-Jacques Coipel, Pierre Fardel. J'ai également puisé dans la riche et précieuse Histoire de Clisson qui a été rédigée par Pierre Bonnet il y a quelque temps. Et donc voilà mes sources. Donc d'une certaine manière, ce dont je vais parler n'est pas très inédit. Mais ce qui me semble le plus inédit, c'est la synthèse, c'est-à-dire que j'ai un petit peu rassemblé les différents éléments de ces travaux scientifiques. Et je voudrais aussi remercier Mme Boulanger qui m'a envoyé des photos de sa très belle propriété. Ça a été aussi une belle aventure parce que ça m'a permis de découvrir aussi un certain nombre de lieux que je ne connaissais pas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Marguerite Lemeau, vous le savez, est la petite-fille du sculpteur François-Frédéric Lemeau. Elle était amatrice de théâtre et d'art lyrique et c'est pour cette raison qu'elle a fait édifier un théâtre privé au début du XXe siècle, à côté de sa maison de la rue des Cordeliers. Ses réalisations demeurent toutefois nimbées de mystère et je ne pourrai pas vous montrer le visage de cette Marguerite Lemeau puisque je n'ai pas trouvé de portrait. Et la programmation de son théâtre est également assez méconnue et je ne pourrai que restituer les bribes de souvenirs qui sont parvenus jusqu'à nous à ce sujet. Alors, c'est tout ce théâtre. Elle choisit pour construire ce théâtre un style à l'italienne qui avait été promu par son grand-père un siècle plus tôt et par son père, j'y viendrai. En ce sens, il est clair qu'elle poursuit l'œuvre familiale et elle clôt aussi une certaine histoire qui a fait de Clisson un foyer artistique unique dans la région nantaise et c'est vraiment sur ce point que je voudrais aussi insister. Alors, pour en comprendre la construction, il faut donc revenir en arrière, quasiment un siècle plus tôt, et lorsqu'une poignée d'artistes et d'amateurs édifient des ensembles architecturaux teintés de leur nostalgie italienne. Dans cette conférence, je vais donc commencer par rappeler une histoire que certains d'entre vous connaissent très bien, mais en insistant sur peut-être un point qui a été moins développé, à savoir l'éclectisme inédit des bâtiments construits à cette époque, puisque certes, le style rustique italien se généralise, mais il n'est pas le seul à être utilisé à Clisson et dans ses environs. Et j'évoquerai quelles significations, notamment sociales, on peut attribuer à cette variété stylistique.
Ensuite, je vais évoquer l'autre figure, celle de, qui a été moins étudiée, à savoir celle de Barthélemy Lemot, donc le fils, et on verra en quoi il continue l'œuvre du père, mais aussi sur quel point il fait rupture. Ensuite, et là je me suis vraiment fait plaisir, je voudrais évoquer des peintres de renom parisien, à savoir Henri Arpigny, François-Louis Français et aussi Lancier, qui ont en quelque sorte poursuivi l'œuvre entreprise par les Cacault et les Lemot en transposant sur leur toile les paysages fabriqués auparavant par leurs devanciers. Et enfin, à l'orée du XXe siècle, donc après l'architecture et la peinture, je parlerai de Marguerite Lemot, et, qui a diffusé d'autres types d'expressions artistiques en organisant des représentations théâtrales et musicales dans son théâtre privé, et en insistant aussi sur le fait que c'est une autre page de l'histoire culturelle française qui s'ouvre à cette époque, celle qui a été marquée par une philanthropie assez importante et un souhait de partager la culture, c'est vraiment les tout débuts, hein, mais un souhait de partager la culture avec des publics, un public élargi. Alors, commençons par le début, l'origine de tout cela. Lorsque Marguerite Lemot naît en 1848, Clisson est un site pittoresque et renommé, et divers recueils ont popularisé son histoire singulière. La petite ville est un foyer artistique unique dans la région nantaise, et comme l'a écrit Claude Conneau, son succès n'est pas à se chercher dans le seul pittoresque du lieu, mais plutôt dans l'action décisive de plusieurs artistes et amateurs. Qui sont-ils ? Lors, je vais commencer par, il y a d'abord les Cacault, puisque, vous savez tous, lors des guerres de Vendée, entre 1793 et 1795, la ville est détruite et incendiée. Et en 1796, quand le Nantais François Cacault la découvre, il fait face à un champ de ruines et de massacres déserté par une grande partie de ses habitants. Et seul le vieux château tient encore debout sur les rives de la Sèvre. François Cacault et son frère rêvent alors d'un musée-école pour conserver leur collection de peintures amassées en Italie. Et il projette de l'installer dans le presbytère de la Madeleine. Et à cet effet, ils construisent des bâtiments entre 1798 et 1804. Et François Cacault aurait été un apôtre de ce style italien qui va se diffuser par la suite. Alors, les morts successives de François Cacault en 1805, puis de son frère en 1810, ne permettent pas au projet de vraiment se développer, et l'importante collection de peintures et d'art graphique est acquise pour le musée de Nantes. Entre-temps, François-Frédéric Lemot, qui s'est lié avec François Cacault à Rome, est séduit par le site de Clisson, qui lui rappelle les paysages italiens, et il acquiert la propriété de la Garenne en 1805. Deux ans plus tard, il achète le vieux château qui était menacé de devenir une carrière de pierre. Alors, Lemot est un sculpteur célébrissime qui a une carrière prestigieuse de la Révolution à la restauration des Bourbons. Je vous rappelle que c'est lui qui sculpte ce bas-relief, la renommée et l'histoire. Donc il le sculpte en 1798, et c'est le bas-relief qui orne toujours la tribune des orateurs à l'Assemblée nationale. Et puis, 20 ans plus tard, il livre l'emblématique sculpture équestre d'Henri IV, qui symbolise magistralement le retour des Bourbons, et qui est, elle aussi, toujours sur le Pont-Neuf à Paris.
c'est vraiment une célébrité dans le monde des arts, puisqu'il est professeur à l'École des Beaux-Arts à partir de 1810 et membre de l'Académie. On ne peut pas faire mieux quand on est artiste. Le mot, vous l'aurez compris, est absorbé par sa carrière et il séjourne peu à Clisson, qui, je vous le rappelle qu'à cette époque, on ne fait pas Paris-Clisson en 2h30, mais il faut 4 jours de diligence pour faire ne serait-ce que Paris-Nantes. Et c'est donc aidé par son régisseur Joseph Vautrey qu'il entreprend un ensemble de constructions dans ce vaste parc qu'il a acquis et qu'il agrémente de fabriques et de divers lieux poétiques que vous connaissez tous, qui mêlent une sensibilité romantique et des références anciennes. À sa mort, en fait, seule la maison du jardinier est vraiment construite, donc le mot meurt en 1827, et c'est le seul bâtiment qui l'habitera durant sa vie. C'est une maison qui est inspirée des maisons rurales, j'insiste, des maisons rurales du Latium et de Toscane, et elle traduit évidemment sa nostalgie italienne, mais j'insiste là-dessus, elle atteste d'un goût nouveau à cette époque pour une culture populaire, si vous voulez. Auparavant, pendant des siècles, on a valorisé l'Antiquité, les grands monuments de l'Antiquité de l'Italie, et à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il y a un changement de goût et on va s'intéresser à une palette beaucoup plus large de cultures, dont les cultures populaires. Et donc cette maison du jardinier est, si je puis dire, le prototype du style rustique italien qui va se diffuser à Clisson. Alors, quant à la grande maison principale, elle est absolument pas terminée à la mort de Lemot. Seul le gros œuvre est tout juste achevé et le grand escalier n'est pas construit, elle n'est donc pas habitable. Pourtant, vous le voyez sur cette gravure, vous l'apercevez, elle figure sur cette planche et cette planche est parue dans un album, dans un recueil, avec une notice par le mot et un recueil de planches. C'est un recueil qui est titré « Voyage pittoresque dans le bocage de la Vendée et vue de Clisson et de ses environs », qui paraît en 1817. Et donc, c'est une vue imaginaire d'une maison qui n'a pas même commencé à être construite. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, on a vraiment les rêves de Lemot sur cette planche. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce sur quoi il faut insister, c'est la chose suivante. Lemot organise, vous l'aurez compris, il organise lui-même la publicité autour de Clisson et ses voyages pittoresques vont vraiment être repris par tous les guides qui vont suivre. Un certain nombre de guides vont se succéder et c'est vraiment la notice de Lemot qui va être la source de ces guides. Alors, un autre point est à remarquer. Comme vous le voyez, la maison principale, elle renvoie à un autre modèle architectural que celui de la maison du jardinier. Sur la gravure, vous devinez l'avant-corps central qui est percé d'arcades et surmonté d'un fronton et qui forme une loge à l'italienne. Et de part et d'autre, les baies sont plutôt rectangulaires et ce qui, évidemment, est important comme distinction, au lieu de la brique, c'est la pierre qui a été utilisée pour les colonnes d'or dorique, les chapiteaux et l'appareillage des baies. Donc, le modèle de cette grande maison relève plutôt de ce que j'appellerais l'architecture savante et non pas de l'architecture populaire ou vernaculaire. Et dès l'époque de Lemot, l'éclectisme est donc la règle et l'architecture des différents bâtiments s'accorde avec cette hiérarchie ancienne, celle des fonctions qui consiste à édifier les grandes demeures dans un style plutôt classique et leurs dépendances dans des styles jugés moins nobles et avec des matériaux moins onéreux.
En face de la Garenne, il y a la maison de Jacques-Charles Valentin, qui est édifiée au même moment que la maison du jardinier, et qui apparaît comme une synthèse plus éclectique en son cœur même, si je puis dire, puisque le logis comporte une partie classique, avec, donc, vous voyez ce portique, qui est agrémenté de part et d'autre d'une terrasse à l'italienne, et Valentin y accole des galeries à l'italienne qui ont disparu aujourd'hui. J'en viens donc à ce sur quoi je voudrais insister, à savoir la logique éclectique de la construction de tous ces bâtiments. Et je vais commencer par citer ce grand historien de l'architecture, qui est Jean-Marie Perrouse de Monclos, qui écrit dans Clisson, le retour d'Italie, « Le retour à l'antique n'est que la tendance dominante de la période européenne dite néoclassique. Celle-ci a en fait inventé l'éclectisme. » De fait, à mon sens, l'éclectisme est bien la démarche dominante au XIXe siècle. Je rappellerai que le mot vient du grec et il signifie « choisir ». Et l'éclectisme renvoie donc à une démarche qui consiste à combiner des motifs empruntés à des styles différents. Avant l'éclectisme, les premiers historiens de l'art ont donc inventé la notion de style, et c'est, bon, je rappelle qu'un style est une construction intellectuelle, plastique, et un style est défini par des éléments ayant fait l'objet d'une même classification, et il peut être associé à des valeurs et à certaines significations. J'en viens maintenant à ces significations. Et pour reprendre de nouveau les mots de Jean-Marie Perrouse de Monclos, ce style rustique à l'italienne a largement bénéficié de la constitution d'une aristocratie et bourgeoisie, soucieuse d'afficher une puissance foncière toute neuve, sans emprunter au répertoire architectural de l'Ancien Régime. Et donc, dans la hiérarchie des fonctions, c'est la manière rustique, n'accède pas habituellement au niveau du logis, elle s'établit à la périphérie de celui-ci, et en ce tout début du XIXe siècle, elle n'est plus la manière des constructions futiles comme au XVIIIe siècle, mais elle est au contraire celle des constructions utiles, des communs, et même des fermes et des moulins, pourvu que celle-ci participe à la composition du parc et aux abords de la demeure. Et c'est donc cette typologie stylistique qui renvoie, vous l'aurez compris, aux hiérarchies sociales de l'époque et à ce contexte post-révolutionnaire qui va se diffuser à Clisson. Alors, si je récapitule, je dirais que à Clisson, Clisson réunit au début du XIXe siècle les références principales de l'époque, il y a tout. Donc la valorisation du château médiéval s'accorde avec la redécouverte du Moyen-Âge à cette époque, alors que vous savez, le Moyen-Âge a longtemps été relégué dans les temps obscurs de l'histoire. Le style des demeures renvoie plutôt à la permanence des modèles classiques. Les parcs, eux, s'inscrivent dans la lignée des jardins paysagers agrémentés de fabriques qui se sont plutôt développés au XVIIIe siècle. Et enfin, l'architecture rustique à l'italienne atteste d'un début du brouillage des frontières entre culture savante et culture populaire, puisque, je le rappelle, ce style est inspiré par une architecture vernaculaire ou populaire, enfin, de l'architecture populaire de la campagne italienne. Voilà, et tout ça donc correspond à ce nouveau goût pour le pittoresque et à ce rêve arcadien d'une union nouvelle entre architecture et paysage. Alors, cet éclectisme signifiant est dupliqué dans un certain nombre de propriétés qui fleurissent à cette époque le long de la Sèvre, et j'en donnerai plusieurs exemples. Il y a bien sûr Montgallien à Pugan, qui est peut-être le plus beau fleuron de cette aventure. L'ensemble est construit pour l'industriel Jacques Blanchard, construit autour de 1840,
non loin des papeteries dentières de Blanchard. Et donc, vous le voyez, il y a la demeure principale en tuffeau de style classique, où on voit qu'il y a corniche, pilastre à l'étage supérieur, fronton et toit en ardoise. Notons toutefois les fenêtres plutôt en plein cintre au rez-de-chaussée. Et puis, tout à côté, les dépendances qui, elles, ont un toit en tuiles, des ouvertures en plein cintre. Et elles s'inspirent, bien sûr, du style italianisant mis au point à la Garenne. Il y a également cette très belle orangerie qui est tout à fait unique dans la région. De même, lorsque Benjamin Lorette, qui est maire de Clisson entre 1841 et 1848, lorsqu'il entreprend de faire construire une maison sur sa propriété des bords de la Sèvre à Nidoye, il opte pour le même type d'éclectisme dans une version plus modeste, puisque vous le voyez, la grande demeure est construite dans un style nantais et recouverte d'ardoise, mais les dépendances à côté sont inspirées du style à l'italienne. On peut faire le même type de remarque pour la lustière à Cugan, où alors je ne sais pas ce qui date de cette époque, c'est un petit peu difficile, mais enfin, vous voyez bien la différence entre la demeure principale et puis les communs qui eux sont directement inspirés de la maison du jardinier à la Garenne. En résumé, donc, à l'exception de l'oiselinière à Gorges, l'architecture des propriétés édifiées à Clisson et dans ses environs est calquée sur ce modèle mis en place par Lemeau et sa typologie stylistique. Et je ne vais pas développer, mais parce que ça a été très étudié, vous le savez, un certain nombre d'usines sont construites également dans ce style le long de la Sèvre, et je pense notamment à l'étendoir du Liveau à Gorges, mais il y a évidemment d'autres exemples. Peut-être plus intéressant, parce que l'idée est de revenir au cœur même de Clisson, ce style à l'italienne se diffuse dans la ville, pour des bâtiments de moyenne importance, et c'est le cas pour la maison du libraire Louis-Nicolas Busseuil, qui est un ami de Lemeau, et qui, vous voyez, fait construire cette maison Place de la Trinité dans un style italianisant, puisque les ouvertures sont appareillées en briques, elles sont en plein cintre au deuxième niveau, et en arc brisé au sol. Alors, à partir des années 1840, j'ai déjà évoqué, les publications fleurissent sur Clisson, qui, ça a été démontré dans le catalogue L'Échappée Belle, est la ville qui est la plus reproduite après Nantes en Loire-Inférieure. Voilà, c'est vraiment une ville tout à fait unique. Et pour ce faire, la maison d'édition et de lithographie Charpentier à Nantes publie une série de recueils illustrés qui font connaître évidemment cette singularité clissonnaise. Et ces publications connaissent un véritable succès jusque dans les années 1860. Et donc, pour accueillir des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux, qui sont guidés par toutes ces publications, des hôtels sont édifiés, vous les connaissez, vous les reconnaissez peut-être. Il s'agit de l'Hôtel de France, de l'Hôtel de l'Europe et de l'Hôtel de la Poste, qui sont édifiés le long de ce nouvel axe formé par la route Nantes-Poitiers, à la suite de la construction du viaduc sur la Moine en 1840-41. Puisque il faut bien avoir conscience qu'auparavant, il y avait, je crois, deux ponts, le pont de la ville et le pont Saint-Antoine, et par exemple, si on voulait aller vers le Mont, il fallait forcément prendre le pont Saint-Antoine. Donc là encore, comme on atteste ces hôtels, la tuile et la brique sont adoptées pour des constructions qui sont plus ou moins italianisantes,
Et je vais m'arrêter sur l'hôtel de France, bien sûr, puisque cet hôtel sera vendu à la commune en 1868 et transformé en hôtel de ville. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au XXe siècle, les restaurations ont modifié son aspect original. Vous voyez que le belvédère a été supprimé, les niches aussi, mais bon, on reconnaît tout à fait le bâtiment dans ses grandes lignes. Donc, au milieu du XIXe siècle, lorsque Marguerite Lemot naît, Clisson s'est donc reconstruit et transformé selon cette nouvelle typologie de style. Et, ah oui, j'ai oublié quelque chose, et la ville est suffisamment connue, renommée, pour attirer des visiteurs comme Théophile Gautier, puisque les visiteurs pouvaient remplir un livre d'or quand ils venaient visiter la Garenne. Ce livre, une sélection a été publiée en 1881, et vous voyez le dessin de Théophile Gautier, qui était un écrivain célébrissime à l'époque, un dessin qui date de 1838, un petit dessin. Et, voilà, donc ça atteste quand même de vraiment de la célébrité de la ville à cette époque. Voilà, alors ce style italianisant aurait pu passer de mode, ça aurait pu être une espèce de feu de paille. Et d'ailleurs, la seconde moitié du XIXe siècle n'est plus à ce style, mais comme nous allons le voir, il perdure, et notamment à l'initiative du fils de François-Frédéric Lemot, à savoir Barthélemy Lemot. Alors, comme je l'ai mentionné, la maison de la Garenne n'est pas achevée lorsque le sculpteur Lemot meurt en 1827. Et il revient donc à son fils, Barthélemy, de terminer les constructions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Deux mots d'abord du parcours de son parcours. Barthélemy Lemot est né en 1810 et il s'est marié à Paris en 1847. Et de cette union sont nés deux enfants. Il y a Marguerite l'aînée en 1848, et puis Olivier en 1850. Alors, selon Alain de Laval, Barthélemy Lemot vit plus régulièrement à Clisson que son père, à partir de 1841, et il s'ancre véritablement dans la région, puisqu'il est maire de Clisson à deux reprises, de 1851 à 1865, et de 1878 à 1881, et il cumule cette fonction avec celle de conseiller général de la Loire inférieure de 1852 à 1880. Petite description, Barthélemy Lemot est assez représentatif d'une bourgeoisie propriétaire terrienne qui a encouragé le retour à l'Empire et qui montre son attachement au régime de Napoléon III. Peu présent, ça on le sait, grâce au compte rendu du conseil municipal, il est peu présent au conseil municipal, puisqu'il demande à plusieurs reprises à démissionner de ses fonctions de maire. Et d'après ce qu'a pu comprendre Pierre Bonnet, la concorde n'était pas toujours de mise au sein de l'équipe municipale. Mais il est toutefois maire entre 1878 et 1881, cette fois sous la Troisième République, donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans l'histoire de Clisson. J'en viens donc à la Garenne. Que fait-il à la Garenne? Bon, vous le savez, il achève la maison principale, mais il fait surtout surélever le belvédère. Dans les plans originaux, le belvédère n'était pas aussi haut. Il achève la loggia, et à l'étage, il crée en 1866 la Galerie des Illustres, dont il fait orner le plafond des médaillons représentant les grands artistes contemporains de son père. Ce qui me paraît intéressant, ce sur quoi il faudrait insister, c'est qu'il transforme quand même assez profondément le projet de son père. Puisque son père avait prévu à l'origine un jardin potager devant la maison, et en fait, Barthélemy Lemot va supprimer ce jardin potager, et c'est lui qui ouvre la grande allée axiale qui va du portail à la cour d'honneur, et surtout qui fait fermer cette cour par
cette colonna dans l'hémicycle à la romaine que nous connaissons aujourd'hui. Et donc ces travaux sont terminés dans les années 1860, et vous l'aurez compris, Barthélemy Lemot monumentalise, classicise le projet originel de son père, qui, alors, au départ, avait envisagé d'utiliser la brique pour sa maison, donc elle a vraiment un côté très très classique aujourd'hui qu'elle n'aurait pas dû avoir au départ. Parallèlement à ses travaux, il fait reconstruire ou restaurer à l'italienne, dans les années 1850, des bâtiments dont il était propriétaire. Il y a évidemment le moulin de Plessard, qui aurait été construit sur les plans de Paul Méchineau, et qui avait été acquis par le Maupère en 1821. Il y a aussi le moulin de Père Simon, et la métairie du Pas Nantais à Jétigné, qui est construite vers 1847. Dans la ville, il opte aussi pour ce style, pour la maison rue Albert Forget, qu'il fait construire dans rue Albert Forget. Et donc, si on résume un petit peu, vous voyez, il systématise ce mode architectural choisi par la génération précédente, mais avec aussi, tout ça n'est pas neutre, hein, puisque ces diverses constructions unifient donc les bâtiments utilitaires de sa propriété, elles en marquent les bornes géographiques, alors que il n'avait pas forcément toujours de bonnes relations avec son voisinage. Voilà, et sous son mandat de maire, puisqu'il est maire, je vous l'ai dit, un certain nombre d'édifices sont également construits dans ce style italianisant. Il y a... donc ce sont des édifices municipaux, hein, on passe donc à un nouveau type de bâtiment. Il y a cette salle d'asile qui est construite sur une parcelle du verger de l'hôpital Saint-Antoine qui est cédée à la commune de Clisson et qui était destinée à accueillir et à instruire les enfants des familles défavorisées. Et puis aussi l'école publique de garçons qui est rue des Halles, qui est construite à peu près à la même époque. Ce style italianisant se diffuse également dans le domaine religieux, puisque le presbytère Notre-Dame est également construit dans cette version italienne en 1859. Alors, on aurait pu continuer à construire tout Clisson en style à l'italienne, mais tout de même pas, et je vais maintenant évoquer ce qui s'est fait d'autre, parce que c'est important, et pourquoi on a choisi d'autres styles. La gare en est un très bon exemple, puisque pour la gare, c'est plutôt le style néo-Louis XIII qui est préféré. Elle est inaugurée en 1866, et vous voyez que c'est un style qui est complètement différent. Elle est recouverte d'ardoise, ses façades sont structurées par des pilastres corinthiens, et le choix de ce style, qui est un style qu'on va qualifier d'historiciste, qu'on retrouve en un peu plus grand, par exemple dans des mairies parisiennes, eh bien, semble alors plus adapté à une gare qui est très importante, puisqu'elle rend désormais, à cette époque, Clisson beaucoup plus proche des grandes villes. Pareil, on peut faire le même type de remarque pour l'école communale des filles, pour laquelle on revient à un style sobre et austère, mais cette fois-ci pour des raisons d'économie, comme l'a raconté Pierre Bonnet. Alors, un petit mot de l'histoire de cette école. Donc, d'abord, elle est construite grâce à une aide préfectorale, et c'est un projet qui dure, et elle finit par ouvrir en 1885 avec 70 élèves. Suite un peu sous la pression, puisque suite évidemment à la loi qui rendait obligatoire l'instruction primaire et donc obligatoire la création d'une école communale de filles,
Et donc, c'est à la suite de cette loi que le conseil municipal a choisi un terrain, donc je veux dire un pavillon au bout des Cordeliers, pour y construire cette école. Alors, au départ, il devait y avoir des parements en briques, mais par mesure d'économie, ils ont été remplacés par des moellons en granit. Et vous voyez, c'est un bâtiment donc au toit de tuiles, mais qui se distingue des autres bâtiments, enfin des bâtiments précédents, pour des lignes plus géométriques, beaucoup plus austères, et évidemment, cette c'est un bâtiment monochrome, contrairement aux autres. Même chose, alors ça c'est, enfin, je trouve ça très intéressant, tous les débats, il y a eu un certain nombre de débats lors de la reconstruction de l'église Notre-Dame. Et pour les comprendre, il faut résumer l'histoire de cette église qui a été relatée par Pierre Bonnet. Donc vous le savez, donc, la ville est incendiée et il faut reconstruire énormément de bâtiments, et en 1806, l'église est reconstruite sans clocher. En 1817, l'architecte Mathurin Prussy remet à la fabrique un devis estimatif pour un clocher, afin de placer une cloche offerte par le mot. Et en 1819, un petit clocher est édifié à ce moment, donc est édifié à côté de l'église. Et il y est rattaché en 1850 lorsque des bas-côtés, un bas-côté sud est construit. Alors vous voyez sur la photographie, on voit bien, puis on voit bien aussi sur le détail de cette peinture de Lancier, c'était un clocher roman avec un toit d'ardoise. Et donc c'était assez différent de l'église actuelle. Alors pourquoi la reconstruit-on ? En fait, dès 1868, il s'avère que cette église est insuffisante pour le culte, et en 1881, le projet de la reconstruire débute. Néanmoins, et ça c'est très intéressant, les avis s'opposent, puisque Paul Méchineau, qui est architecte dans le conseil de fabrique, plaide pour le style néo-gothique, et on comprend bien pourquoi il plaide pour cela, puisqu'il a en fait reconstruit en style néo-gothique les églises de Nousillon, Saint-Hilaire-de-Clisson, Gorges, Jétignier, Cugand et Treize-Septiers. Et il veut évidemment imposer le néo-gothique à Clisson. Et j'ai envie de dire, le néo-gothique est beaucoup plus à la mode actuellement, à cette époque, pour les églises. Donc il y a Paul Méchineau d'un côté qui, évidemment, plaide pour le néo-gothique, et de l'autre côté, il y a Barthélemy Lemot et son successeur à la mairie, qui est l'instituteur Jean Duchet, qui, eux, plaident pour un autre style, plutôt à l'italienne. Donc, après quelques rapports et des débats visiblement un peu plus houleux, le dossier s'enlise et il revient alors en 1885, quand, grosso modo, Paul Méchineau et Barthélemy Lemot sont morts. Et c'est finalement l'architecte nantais René Ménard qui va reconstruire l'église en incorporant le clocher élevé par Prussy, et Ménard fait le choix d'un autre modèle, finalement, qui n'existait pas auparavant à Clisson, qui est le modèle des basiliques romaines avec campanile, mais qui est donc toujours, évidemment, un modèle italien. Voilà. Mais vous voyez que c'est encore un autre modèle. Alors, mon fil conducteur, c'est la famille Lemot, donc je vais donc revenir au Lemot. Barthélemy Lemot meurt en 1883, et deux ans plus tôt, sa fille Marguerite s'est mariée avec un capitaine, un lieutenant de vaisseau, Jean-Jacques Pradier, qui est également chevalier de la Légion d'honneur. Bon, on peut le constater d'emblée, la destinée de Marguerite Lemot n'est pas du tout classique pour l'époque, puisqu'elle se marie à l'âge de 33 ans, ce qui était très très tard pour cette époque. Alors, on sait par l'acte de mariage qu'elle habitait au 18 rue du Cherche-Midi, je vous ai mis la photo, non loin en fait, et que
quelques années plus tard, elle va déménager aux 6 rues de Regard, qui était visiblement une propriété, enfin, l'immeuble des Lemots, puisque en fait, François-Frédéric Lemots, donc le sculpteur, est mort à cette adresse, aux 6 rues de Regard. Alors, on ne peut qu'imaginer un certain nombre de choses sur la vie de Marguerite Lemots. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle voit très peu son mari, puisque si l'on considère les états de service de Pradier, il navigue la plupart du temps sur les côtes françaises et au Gabon. Donc, difficile de le voir. En revanche, on peut imaginer qu'elle côtoie peut-être des milieux assez lancé, on va dire, ceux de son beau-frère Emmanuel Pradier, qui était un journaliste actif, reconnu, doublé d'un romancier à succès et d'un voyageur. Et on peut imaginer qu'elle s'intéresse à cette époque, à l'opéra, au théâtre, etc. De toute façon, c'était vraiment le loisir principal de l'époque, puisqu'il y avait évidemment du cinéma, etc. Et on peut imaginer aussi qu'elle est vient à Clisson de temps en temps, puisque à Clisson habitait sa mère, ainsi que son frère Olivier et les quatre enfants de ce dernier, qui résidaient à la Garenne. Alors, Olivier Lemots ne fait pas de transformation notable à la Garenne, et en revanche, j'ai envie de dire. Cette histoire architecturale s'arrête à cette époque et ce sont des peintres qui vont prendre le relais et venir à Clisson pour peindre ce site qui est désormais pittoresque et renommé. Je vais donc maintenant vous parler de trois paysagistes, à savoir François-Louis Français, Henri Artigny et Emmanuel Lancier. Alors, je vais commencer par Français, puisque c'est le premier à venir à Clisson. En fait, Français découvre Clisson au début des années 1880, et il y a déjà à cette époque une longue carrière derrière lui. C'est un paysage renommé, qui est vraiment très apprécié dans la communauté des artistes à Paris, puisque on l'appelait Papa Français. C'est un artiste originaire de Plombières et qui s'est formé à Barbizon et qui connaissait Corot. Baudelaire a également écrit des lignes élogieuses sur ses œuvres. Français est un, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très apprécié. Il est membre de nombreuses commission à Paris, et c'est par exemple notamment grâce à lui que Rodin obtient la commande du monument à Claude Lorrain à Nancy. Enfin, c'est une de ses premières grandes commandes, et Français sera aussi le premier paysagiste à rentrer à l'Institut en 1890. Donc c'est donc pas du tout ce qu'on pourrait appeler un petit maître. Alors, pourquoi vient-il à Clisson? Je ne peux pas vraiment vous répondre, mais une chose est sûre, il aime la ville. Il y séjourne régulièrement de 1880 à 1891, et il possède une maison. Et on peut juste imaginer qu'il y retrouve lui aussi ce parfum d'Italie qu'il aimait tant, puisque Français a beaucoup séjourné en Italie au cours de sa carrière. Et Berthoud a parlé, a évoqué Français, voilà ce qu'il disait, ce qu'il a écrit. Cet artiste affectionnait Clisson et va y passer l'été pendant des années. On le rencontrait souvent aux environs, installé devant son chevalet et peignant les sites qu'il jugeait de nature à être reproduits dans ses grands ouvrages. Alors, que fait. Alors, je suis désolée, j'aurais pu travailler un petit peu plus, mais c'est vraiment un point qui restera à approfondir. Je vous montre juste quelques œuvres, mais les clichés ne sont pas formidables. Donc, Français, c'est vraiment un aquarelliste hors pair, et vous voyez, donc il s'est beaucoup intéressé au château, également au moulin, ce qu'il appelle le moulin neuf, donc je pense que c'était ça. Et il a aussi fait beaucoup d'aquarelles des bords de la Sèvre.
Il a aussi laissé cette petite toile qui est conservée à Nantes et qui montre l'église qui vient d'être construite. Donc vous voyez, c'est un style qui est tout à fait dans la lignée de Corot, un style très géométrique. Hein, regardez comment il géométrise tout ce qu'il construit. Alors c'est évidemment pas la palette des impressionnistes, hein, mais c'était vraiment un paysagiste très très connu à cette époque. Même chose pour Emmanuel Lancier, qui lui est originaire du Marais vendéen. Donc c'est un peu le même profil, hein, si je puis dire, que français. C'est des paysagistes quand même. C'est un paysagiste assez donc dans la lignée du réalisme de Courbet, donc en avance sur son temps. Par exemple, il va être au Salon des Refusés de 1863, et puis après, il va faire une carrière au Salon prestigieuse. Il obtient la médaille d'honneur au Salon quelques années plus tard. Alors Lancier séjourne à Clisson entre 1884 et 1889, et c'est à ce moment-là qu'il réalise une douzaine de peintures donc de Clisson et des bords de la Sèvre, qu'il expose au Salon de Nantes, de Rennes et de Rouen. Lancier a une première formation d'architecte, vous voyez qu'il s'intéresse beaucoup aux bâtiments, qu'il restitue de manière assez précise. Et il travaille dans un style avec une palette certes assez resserrée, mais dans ce style lâché qui est à la mode dans le paysage, dans le domaine du paysage, suite à ce qu'ont mis en place les impressionnistes. Et le dernier paysagiste vraiment important, c'est Arpini. Lui aussi, il a participé au Salon des Refusés de 1863. C'est aussi quelqu'un qui a une belle carrière, qui admirait Corot, qui a séjourné aussi en Italie et qui doit retrouver ce parfum italien à Clisson. Et qui, comme les autres, s'est beaucoup intéressé au château. Et donc, c'est ce qui me fait dire que, en dépit de toutes ces constructions, par le mot et tous les autres, d'une certaine manière, ce vieux château, c'est quand même lui qui a toujours capté les regards. Et je pense que c'est toujours d'ailleurs le cas. Et les paysagistes en sont vraiment, en tout cas, vraiment en témoignent. Voilà, alors, la vue que l'on a sur ce vieux château, qui n'est pas tout à fait celle-là, eh bien, c'est la vue qu'avait Marguerite Lemeau lorsqu'elle s'installe à Clisson en 1897. Elle ne semble pas s'être intéressée à l'architecture et à la peinture, mais en revanche, vous le savez, elle a diffusé d'autres types d'expressions artistiques, à savoir l'art lyrique et dramatique. Deux mots donc de son parcours. Son mariage s'est révélé être un désastre, et donc elle quitte son mari en 1897, et c'est à la suite de cela qu'elle va s'installer à Clisson et qu'elle achète donc un terrain rue des Cordeliers. Vous voyez sa maison. Elle s'intéresse dès le départ à l'école qui est en face, et elle va faire construire à ses frais un réfectoire pour la cantine de l'école publique. Deux ans plus tard, elle démarre la construction, elle se lance dans la construction de ce théâtre, donc il y a Tivoli, qu'elle fait construire à ses frais. On ne sait pas qui était l'architecte. Et vous voyez donc trois étapes du théâtre, l'état premier, ensuite les agrandissements au XXe siècle et une photo d'aujourd'hui. Alors bien sûr, elle s'inscrit dans la continuité de son grand-père et de son père en choisissant le style à l'italienne, c'est tout à fait évident. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle rend ce théâtre de style italien renvoie à l'hybridation de deux modèles. Donc premièrement, il est construit à côté de sa maison, et donc il peut apparaître comme une dépendance, et il rappelle donc cette
éclectisme stylistique du début du XIXe siècle. Et puis, deuxièmement, sa taille et sa destination impliquent la fréquentation d'un public plus large que les seuls proches de Marguerite Lemeau, et le renvoie donc aux bâtiments communaux édifiés à l'époque de son père, comme la salle d'asile et l'école de garçons. Et disons que ces deux aspects expliquent peut-être le choix de ce style à l'italienne. Et donc j'insiste, ce théâtre peut être considéré comme le dernier bâtiment d'importance à Clisson dans ce style, et il clôt donc une histoire, l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, il aurait été inauguré le 28 juin 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, et je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'informations sur les spectacles qui étaient donnés. Il y a juste en 1963 Alfred Gernoux qui a évoqué les chanteurs et les musiciens ayant contribué à la renommée de Clisson. Voilà ce qu'il écrivait. Marguerite Lemeau donna dans son théâtre les représentations qu'elle animait elle-même. Auguste Barré-Pierre, né au palais, grand prix du conservatoire, excellent baryton, enthousiasmait les foules. Le fils Félix Barré, membre de l'opéra comique, revint au pays nantais protégé par Madame Pradier. Elle fut mécène de Maurice Caillet, pianiste. Elle avait constitué une riche bibliothèque au Cordelier. Elle fit de Clisson en son temps un petit Bayreuth. Alors évidemment, la comparaison avec Bayreuth, après, c'est exagéré. Et par ailleurs, c'est faux, puisqu'elle évoque Auguste Barré, et que Auguste Barré était bien originaire du Parlais. Il a bien été un baryton célèbre, mais il est mort en 1885, donc il n'a pas pu évoluer dans le théâtre de Marguerite Lemeau. En revanche, son fils, Félix Barré, était effectivement connu. Il a chanté au théâtre lyrique des variétés en 1898, la première du Barré de Séville. Et il a été portraituré par Jacques Villon en 1912. Vous voyez ce dessin qui est conservé à New York, au Metropolitan Museum. Bon, ça atteste vraiment de sa renommée. Et il était visiblement proche de Marguerite Lemeau, puisqu'elle le mentionne dans son testament. Quant au pianiste Maurice Caillet, évoqué par Gernoux, je n'ai pas trouvé d'informations sur sa carrière. Alors, revenons donc à ce théâtre. Ce que j'en ai compris, c'est que finalement, Marguerite Lemeau a évolué dans cette espèce de triangle. Il y avait sa maison, l'école des filles en face et le théâtre au-dessus. Et on sait par différents témoignages, d'abord que c'était, paraît-il, une femme libre d'esprit et que c'était une originale, qu'elle n'était pas bien vue de la bourgeoisie clissonnaise et de son frère Olivier, le troisième baron Lemeau. Et peut-être plus important pour nous, qu'elle suivait de près l'éducation des jeunes filles d'origine modeste de l'école, qu'elle initiait au théâtre et à la musique. Donc au regard d'un certain nombre de témoignages, il est assez clair qu'elle avait la volonté de diffuser la culture qu'elle avait découverte à Paris. Et voilà. Et donc on peut donc parler, à mon sens, de philanthropie. Je vois le temps qui passe, donc j'abrège un petit peu, mais il faut quand même savoir que dans les années 1900, il y a tout un courant réformiste qui s'est développé pour vraiment commencer à essayer de rendre la culture accessible à tous. Je rappelle toujours qu'en 1900, 1% d'une classe d'âge a le baccalauréat à la suite d'études secondaires payantes. Ce courant réformiste met en place sera le socle de ce qu'on appellera plus tard la politique culturelle. Alors, je ne pense pas que Marguerite Lemeau est vraiment articulée dans ce courant, mais j'ai envie de dire, elle est dans l'air du temps. Voilà, et donc cette histoire, en tout cas la première partie de l'histoire de ce théâtre, se clôt avec la mort de Marguerite Lemeau en 1925. Ce théâtre sera acheté par la municipalité en 1934. Et je vais donc maintenant conclure, parce que le temps est plus que venu. Donc je voudrais conclure en fait sur cette œuvre, qui est l'œuvre de Jean Messinger, qui représente ce château de Clisson, une œuvre divisionniste. Il faut savoir que Messinger sera vraiment un artiste très important dans l'histoire du cubisme. Et la seule chose que je voudrais dire, c'est Clisson a une histoire très singulière, de grands.
artistes y sont venus et il importe de toujours la faire connaître et la valoriser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce qui est devenu ce théâtre? Il a fonctionné jusqu'à quand? Dans quel état est-il? Qui peut intervenir pour poursuivre l'histoire après 1925? Alors, grand merci, c'est un vie de cinéma. Voilà, c'est un cinéma qui est devenu un cinéma pornographique, qui a brûlé à cette période. Mais moi, je n'ai pas les dates. C'était une ville avant-gardiste. Alors moi je ne suis pas historienne du tout, mais je me souviens qu'habitant Gervaux, ce cinéma on n'y allait pas parce qu'il y avait quelques séances. C'était un cinéma tout à fait normal, mais il y avait quand même une séance le samedi soir un peu tard qui attirait une autre population. C'est ça Jean-Pierre? J'ai connu cette période-là en 1965, 1966, 1967, quand le théâtre était devenu cinéma et il y avait un peu d'exotisme de temps en temps. Voilà. Mais en fait, mais je ne suis pas seul, hein. Il y a beaucoup qui se naissent qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas l'avoué. Mais nous sommes allés très nombreux dans cette période-là, on avait 20 ans, 25 ans, on allait tous à cette séance. Il y avait une rivalité entre deux cinémas. Le Tivoli et le Fabian, qu'on est à aujourd'hui. Le Tivoli, on y allait, enfin, il était dit, réservé aux gens qu'on pourrait appeler maintenant de gauche. Ah, c'était comme ça, puisque les enfants de l'école publique, ils faisaient l'arbre de Noël. Hein, c'est ça? Oui. Alors que le familial, lui, était réservé aux gens plus pratiquants. Moi je suis du palais, je me souviens très bien que dans les années, alors et moi c'était 1950 avant, en 50-55, bon, du palais on prenait le car Citroën le dimanche après-midi, et on, c'était pratique, on descendait donc à côté du cinéma, on allait au cinéma et on rentrait au palais après par le car. Mais à cette époque-là, moi, j'ai jamais entendu parler de cinéma exotique. Au Pays Basque, nous, on a une coutume, c'est de préserver le patrimoine et les bâtiments. Voilà. Maintenant, le Tivoli, je fais partie de l'orchestre à la Grande des Camps, ici à Clisson. Il y a des anciens qui ont joué dans le Tivoli. Le Tivoli fait 200 mètres carrés au sol. Il y a deux étages, donc ça fait 600 mètres carrés. Pour l'instant, on répète, on est 35 musiciens à l'orchestre. On répète, à la Madeleine, on n'a que 11 places de parking. Tandis que là, si on avait le Tivoli, avec les trois étages, et le parking à côté, tout le monde pourrait se garer, y compris l'école de musique, l'école de chant et tout le reste. Pour revenir à l'histoire du bâtiment, donc je proposais peut-être à ceux qui ont connu le bâtiment, si vous pouvez nous le décrire. Je voulais dire que les enfants de l'école Sainte-Famille ont répété des chants au Tivoli et le concert de fin d'année était donné au Tivoli. Alors pour vous situer exactement quand, il faudrait que je reprenne mes listes parce que j'ai certains élèves en tête et on s'est produit là. Sûrement une année, et toutes les répétitions se faisaient dans le théâtre. Les classes passaient les unes après les autres, répéter les chants. J'étais à l'école de filles en France. Je suis allée au cinéma, bien sûr, au Tivoli, bien avant que ce soit classé X, puisque à ce moment-là, je n'avais pas. Mais effectivement, c'était le cinéma de la Trinité. Alors que l'autre était le cinéma de Notre-Dame, parce qu'à l'histoire, il y avait un petit peu de fatigué. Et puis en tout cas, les élèves de l'école de filles et de garçons de Clisson, l'école publique de filles et garçons de Clisson, faisaient toujours leur fête de fin d'année, donc de Noël, leur représentation de Noël, au Tivoli. Et au Tivoli, il y avait, comme dans d'autres salles de cinéma, je pense par exemple au cinématographe à Nantes, connaissent. Il y avait, où à l'époque, à l'Apollo à Nantes, il y avait donc ce qu'on appelle l'orchestre, et il y avait un balcon. Il y avait des loges de musée et une scène.
niveau artistique, je me souviens qu'à l'entrée, descendaient des artistes de Nantes et donnaient des représentations. Je me souviens avoir entendu le sous-préfet au chant. Bon, alors pour le circuit des frères Jacques, ça c'est autre chose. Les frères Jacques, qui étaient soutenus par M. Morellet, sont venus en concert juste après les inondations de 1960 et ils ont donné un concert au profit des sinistrés de Clisson. Alors moi, si mes souvenirs sont bons, c'est là que j'ai vu la grande famille. Alors, ça peut situer tout ça. Et je voudrais dire qu'il y avait un revêtement un peu particulier. Il y avait une rénovation, et puis après, ils ont mis un espèce de revêtement plastique vert, pas très joli d'ailleurs. Et alors, au niveau sécurité incendie, c'était vraiment pas très très bon. Je pense que ça, ça aurait pu prendre feu très très vite. Et il y a eu ce revêtement vert, c'était plissé sur tout le mur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, mais moi je m'en souviens très bien. Et il y a eu aussi un accident dans ce cinéma, c'était privé, et les gérants ou propriétaires, je ne sais pas, s'étaient fait électrocuter sur l'armoire électrique, juste avant une séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais... J'ai une suggestion à faire. À Paris, 19 rue de la Gaîté, il y a un petit théâtre qui s'appelle la Comédie Italienne, qui a d'énormes difficultés financières, enfin la troupe n'arrive plus à produire, et je ne sais pas, c'est peut-être qu'il y a peut-être une idée, d'avoir une Comédie Italienne à Clisson, ça pourrait être formidable. Si je vais abandonner un peu le Tivoli, pour revenir à l'exposé de Madame Ménieux, excusez-moi Madame, vous avez parlé tout à l'heure de l'architecte Paul Michineau qui a construit, j'apprends, plusieurs églises autour. Alors, Paul Michineau, c'est aussi l'architecte qui, au milieu du 19e siècle, a restauré ou rénové l'église de la Trinité. Et c'est lui qui a donné à l'intérieur de l'église de la Trinité qui lui a donné un caractère gothique. Malheureusement, En cachant sous ses enduits et ses faux joints tout le beau caractère roman de cette église. Et c'est lui qui a donné à la façade son caractère néo-roman. Il y a une façade romane qui a été démolie. Il a donné à la façade son caractère néo-roman, très critiqué par Paul de Vertou. Quand vous lisez Paul de Vertou, il n'a pas beaucoup d'admiration pour cette façade, même pour cette église. Et malheureusement, cette façade romane a complètement disparu, y compris on n'a pas de dessin, pas de photo, rien. Aux archives départementales, il y aurait peut-être, mais enfin, moi j'ai pas pu le retrouver, un dessin fait par Léon Maître, mais malheureusement, Paul de Vertou le signale. Il y a un dessin, mais on a perdu ce dessin qui aurait donné l'ancienne façade de l'église de la Trinité. Le Tivoli, pourquoi parle-t-on du Tivoli ce soir? Eh bien parce que, en fait, en 2008, il a brûlé. Et depuis 2008, malheureusement, rien n'a été fait pour le sauver. Et de quoi s'agit-il ce soir? Il s'agit d'essayer de sauver le bâtiment. Le problème de l'affectation, pour moi, il est secondaire, parce que de toute façon, on lui trouvera toujours une affectation. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire ce qu'on n'a pas fait depuis 2008. Et pourtant, à un moment, je pense que la municipalité avait les moyens de le faire. C'est de le couvrir. Il lui faut une charpente, il lui faut une couverture. Et ces travaux pourraient très bien ne rien coûter à la municipalité, à la ville, au Clissonnet. Ce serait simplement une avance sur travaux. Et à ce moment-là, le Tivoli aurait bien meilleure mine et on pourrait le présenter, on pourrait le faire visiter, on pourrait rentrer à l'intérieur. Il suffit simplement de faire un problème de nettoyage, de mise en sécurité du bâtiment. Et à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il trouvera acquéreur. Alors,
Qu'il ait une affectation X, Y ou Z, ça n'a pas d'importance. De nombreux édifices en France, très prestigieux, ont eu des affectations très diverses. Il y a eu des abbayes qui ont servi de casernes. Et bien parfois c'est grâce à ça que ces édifices existent toujours. Non, je voulais seulement vous dire, sans vouloir faire de polémique, on est bien d'accord, on est là pour échanger, pour essayer de comprendre, penser à l'avenir. Moi je voulais seulement vous dire que si le château qui a failli disparaître, puisqu'on voulait en faire une carrière à une certaine période, s'il n'y avait pas eu des associations dans le même esprit que la nôtre, des gens raisonnables et qui sont constructifs, hein, eh bien, il y avait l'association du docteur Toussaint, etc., les amis Chabot qui ont contribué. Le département est venu au secours de la municipalité qui n'avait pas les moyens d'entretenir le château. On est bien d'accord. Alors, le château, c'est quelque part le cœur de la ville. C'est le cœur de la ville. Mais le Tivoli, qui est la finalité de l'œuvre de la famille Lebeau, c'est la finalité, qui, sur son éperon rocheux, fait face, il fait l'équilibre avec l'autre côté de la serre, il fait l'équilibre avec le château. Buisson est très chargé en patrimoine, et on a beaucoup de mal au niveau de la commune d'entretenir tout ce patrimoine qui est varié et immense, et sur deux thèmes, le thème de l'italianisme et le thème du médiéval. Alors, pour satisfaire les visiteurs, continuer cette affaire de tourisme qui est économiquement est intéressant. Bon, je pense que le Tivoli, c'est également une retransmission. Ça fait partie des racines des gens qui ont vécu ici, qui sont là parmi nous aujourd'hui encore, et des jeunes générations qui arrivent là, et des personnes étrangères qui viennent vivre chez nous et qui s'installent. On leur donne de nouvelles racines, et ces racines, elles sont à travers la partie, ces périodes, ces ambiances médiévales et italianisantes. Alors, je pense qu'il serait intéressant de préserver ce monument et de le faire revivre sous une autre forme, économiquement beaucoup plus adaptée à la période. Donc, on trouvera toujours des financements, on trouvera toujours des destinations, mais il faut le faire revivre pour que Clisson puisse continuer à avoir ce parfum d'Italie. Je voulais ajouter une chose qui a été transcrite dans l'exposé de Mme Meneux, c'est que le Tivoli fait partie d'un tout. Le Tivoli, c'est une fabrique. Alors, j'entends dire qu'on pourrait garder nos façades côté rue, sauf que le Tivoli, c'est aussi un arrière qui est sur des fondations avec la maison voisine, et un arrière que l'on voit de la route de la montée de l'Éperon. Donc, il a sa place. Chaque bâtiment se fait face, chaque bâtiment se reflète dans l'autre, fait miroir, fait écho. Donc il faut penser que le Tivoli, il a aussi une âme quand on le voit d'en bas. Il n'a pas une âme que quand on est rue des Cordeliers. Donc c'est important. On dit que c'est le dernier bâtiment majeur de cette époque de construction rustique toscan-clissonnaise. Je pense qu'on n'a pas le droit, de par le nom, le nom, la filiation, l'histoire, et la destination patrimoniale du style, on n'a pas le droit de détruire ce bâtiment, ne serait-ce que toucher à un mur de ce bâtiment, on trouvera toujours le trouver une affectation. Effectivement, comme disait mon collègue de Seconde Tivoli, qui a parlé de le couvrir, il faut le couvrir, mais on peut le couvrir, il a oublié de le citer, il m'excusera de le préciser, on peut faire une charpente définitive. Il ne s'agit pas de faire une charpente provisoire pour la redémonter avec un coup. On peut très bien faire une charpente définitive. Et avec un puits de lumière, par exemple, si on veut éviter de faire des percements de façade. La démolition, il faut savoir que la démolition, ça a un coût. Quand on vous dit, on va le détruire, parce que ça coûte trop cher de rénover, démolir, c'est 150 000 euros, 200 000 euros. D'accord ? Voilà. À l'époque de Marguerite Lemot, qui donne du sens aussi à la création de ce type de théâtre, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Si vous voulez, en fait, dans les années 1900, c'est à ce moment-là que vont se mettre en place ce qu'on va appeler les théâtres du peuple, avec Maurice Potacher, une
l'éducation dans les musées. C'est aussi à ce moment-là que se développe ce qu'on appelait à l'époque les habitations à bon marché, qui sont devenues le logement social après. Donc il y a toute une armée d'intellectuels et d'artistes qui s'est levée, bon, c'est le contexte de l'affaire Dreyfus, etc., parce qu'il y a eu une prise de conscience soudaine que d'une certaine manière la culture n'était pas partagée et que, évidemment, ça ne pouvait plus durer. Et j'ai quand même l'intime conviction que, bon, elle quitte la scène, enfin, elle quitte Paris en 1897, ce mouvement a déjà commencé. Et oui, il y a aussi ce qu'on appelle l'université populaire. Pas oublier qu'en 1901 est créée la loi sur les associations. Et il y a vraiment une constellation d'associations qui se créent à cette époque. Et pour moi, enfin, moi, la première chose auquel j'ai pensé quand mon père m'a parlé de ce théâtre, c'est. Alors, bon, et puis, pour ma part, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'art social. Bon, c'est pas de l'art social parce que c'est pas quelqu'un qui faisait partie de milieux progressistes, etc. Mais c'est vraiment ce que je pourrais appeler de la philanthropie. Il y avait vraiment, je pense que ça, il n'y a pas tellement de doute là-dessus, une volonté de diffuser la culture. Il y avait à Clisson, attention, il y avait des chorales, il y avait des fanfares, il y avait même des cavalcades, il y avait une riche vie dans le domaine de la musique, du chant, etc. Donc ce qu'elle a voulu diffuser, c'est ce que j'aimerais une culture savante, hein, cette culture qu'elle avait appris à Paris. Et je pense que quand même ce théâtre a dû connaître un petit succès, alors avec qui, je ne peux pas vous le dire. Mais il faudrait faire, je pense qu'en faisant des recherches approfondies, on arriverait à trouver d'autres éléments. Mais tout ça prend un temps infini et il faut faire des recherches à Nantes, hein, dans les archives, etc. Donc voilà, et c'est ce courant qui, d'ailleurs, je précise, hein, sur le plan politique, a réuni des gens et des idées très, très, très différentes. Hein. Donc il y avait quand même une volonté, hein, vraiment d'élargir la culture, et c'est ce courant qui va poser les jalons, grosso modo, des politiques culturelles qui vont se développer dans l'entre-deux-guerres, et ce que fait Malraux, ça vient tout droit de ça. Voilà, il n'a rien inventé, et les théâtres du peuple, c'est le festival d'Avignon, de Villars ensuite, etc., etc. Donc voilà, donc il faut... Alors, je ne suis pas en train de dire que Marguerite Lemot a inspiré Villa et Lucien, mais c'est vraiment, c'est quand même à resituer. Elle est dans l'air du temps. Elle est dans l'air du temps du compte à soi et d'une volonté de partage de l'écriture. Moi, je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ce que dit Catherine sur l'art social et ce qu'une dame a commencé à dire. C'est-à-dire qu'il y a. Il y avait quand même à Clisson, et on n'en parle pas, mais en tant que Clissonnais, on sait bien qu'il y a eu une rivalité toujours, qui existe encore, entre la Trinité et Notre-Dame. Et finalement, tout à l'heure, j'étais un petit peu gênée à propos du cinéma Tivoli, parce que le Tivoli était de la Trinité, et il y avait un quartier qui n'était pas forcément bien famé autour du Tivoli, parce qu'il y avait des habitats probablement plus populaires, je pense à la rue de la Vallée, et en même temps, il y avait beaucoup d'animations autour, par exemple, de la poissonnerie Petit ou des choses comme ça, mais il y avait toujours comme une rivalité entre la Trinité et Notre-Dame, et ce théâtre, le Tivoli, je me dis, mais alors c'est une question, hein, est-ce que finalement, parce qu'il était dans le mauvais quartier, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas... Non, mais c'est pas du tout clivant ce que je veux dire, c'est... Il a été un petit peu délaissé, laissé à l'abandon, voilà. Après, il y a des exemples, moi je le trouve très beau, mais bon, ça n'engage que moi. Il y a un très bel exemple de réussite du moulin de Plessard, qui est devenu la base du canoë-kayak. Aujourd'hui, personne ne s'imaginerait le moulin de Plessard sans toiture, sans rien. Voilà. Donc, moi je suis attachée au fait qu'à Clisson, il y a eu aussi un mélange de populations et dont témoignent le Tivoli et le quartier de la Trinité autour. Après, on s'approprie l'histoire comme on en a envie. Voilà, c'est tout.
aussi à M. Hubert, parce qu'il faut le remercier d'être venu dans une soirée qui s'avait passionnée et passionnante. Et là-dessus, chacun de vous là, qui est intervenu, on vous remercie pour la qualité de vos interventions. Ensuite, c'est vraiment l'objectif de l'Université sur Lille et du Pays d'Arles et d'Histoire, c'est de lancer le débat, pas pour de la concertation, mais pour de la sensibilisation. Parce que je crois que sur le territoire, on a souvent confondu concertation avec sensibilisation. Alors, chacun de vous émet son avis et son point de vue, et il faut que le plus grand nombre participe de cette connaissance, de ce savoir qui permet aussi d'atteindre l'objectif, parce que la préoccupation culturelle et artistique a été bien soulignée par Mme Meneux, et ça veut dire aussi que n'est pas à l'écart de tout cela. On a vu avec M. Bonnet il y a quelques semaines, là, sous les halles de Clisson, des pans entiers de l'histoire de Clisson qui ne sont pas aujourd'hui révélés. Et c'était passionnant, à partir de l'étude d'Androchronologie, c'était intéressant d'ouvrir des portes nouvelles, écrire une histoire plus complexe qu'elle n'est présentée habituellement. Alors, on peut aussi faire des travaux sociologiques pour savoir si les gens de la Trinité étaient estimés autant que ceux de Notre-Dame. On peut... Non, mais c'est pas ça, j'ai bien compris. Mais il faut que l'on continue à travailler ensemble dans le cadre du Pays d'Arles et d'Histoire. On a mis beaucoup de moyens sur les rivières, au niveau par exemple. Eh bien, peut-être que les élus vont se pencher aux côtés de l'association, avec M. le maire de Clisson qui veut prendre la parole, sur le Tivoli, qui est une fabrique dans ce paysage du 19e siècle. Alors, il faut transmettre le 19e siècle, mais il faut lui donner une arme. Il faut avoir une raison culturelle forte de lui donner une arme et de le restaurer. Il faut croire à quelque chose. Plutôt que de s'entretuer, il faut se passionner ensemble et trouver les moyens qui permettent de s'en sortir. Monsieur le maire, à vous. Je pense déjà que je remercie le président du pays et son vice-président d'avoir initié finalement cette inscription de conférence sur cette thématique. C'est l'actualité à Clisson. Merci à vous, Madame Meneux, de nous avoir rappelé certaines choses, parce que finalement, il y a des choses que certains connaissaient, mais j'espère qu'on a tous un petit peu appris quelque chose. Donc, Clisson est riche de 14 monuments historiques et d'une multitude de bâtiments remarquables, d'intérêts patrimoniaux, de style italien, comme vous avez pu nous le rappeler. Ce bâtiment-là donc, a changé de main plusieurs fois. Plusieurs municipalités l'ont acquéri, vendu. Avec l'actualité de 2008-2010, voilà, certains rappellent des choses. Il a été construit quand même par des maçons de Clisson, M. Renaud, arrière-grand-père de M. Branger, propriétaire de la propriété de rue Docteur Boutin, la diligence qui a été ouverte dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est son arrière-grand-père qui détenait une entreprise de maçonnerie avec une cinquantaine de maçons qui ont construit l'édifice. Voilà, j'avais ça à rajouter. Il n'aura échappé à personne que le projet municipal qu'on a inscrit depuis 3 ans et demi a intégré la rénovation du quartier de la porte Bazet. Alors, ça rappelle certains disant les quartiers délaissés ou pas délaissés, il est clair qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, on s'est attaché à ce sujet-là. Et donc, on a un budget assez conséquent pour rénover la porte Bazet, mais volontairement, on n'avait pas intégré le Tivoli parce que, déjà financièrement, ça grossissait les coûts. Et puis, ça risquait de bloquer l'aménagement urbain, la rénovation urbaine de toute la place.
Et puis, donc, dans le cadre de cette présentation de ce projet-là, on a commencé à entendre des choses. La réglementation d'aujourd'hui, on protège tout notre patrimoine. On a une vraie intention de prolonger cette protection. Et aujourd'hui, alors, je vois M. Hardy qui est devant moi. À son époque, c'est grâce à l'équipe. Enfin, M. Hardy était élu avec le maire de l'époque. La zone de protection qui a été instituée dans les années 91-92 a fait qu'on avait un périmètre où on s'interdisait de faire en gros n'importe quoi. Et ce bâtiment-là ne peut pas être démoli. Alors de fait, ça pose question parce qu'il est aujourd'hui plus une ruine qu'autre chose. On est en train de rénover, de revisiter cette zone de protection et ce bâtiment-ci est aujourd'hui un bâtiment d'intérêt patrimonial. On a quatre niveaux de classement dans cette future ère de valorisation du patrimoine. Les monuments historiques, il y en a 14 sur Clisson. Les bâtiments remarquables, il y en a une petite dizaine, dont l'ancienne école de garçons côté Notre-Dame. Le presbytère, ces bâtiments-là sont remarquables et sont interdiction totale de démolition. Et puis, un rang en dessous, parce qu'il faut bien classer les bâtiments, on a ce type de bâtiments d'intérêt patrimonial qui, si faute, avec des soucis de bâtimentaires, de ruines, sont dans un état où on ne peut pas faire autre chose, la démolition pourrait être autorisée s'il y a un projet d'intérêt général. Je dis pourrait, ce document est en cours de validation et il n'y a encore pas d'actualité. Donc, on a inscrit, alors dans l'agenda ça tombe très bien, la conférence ce soir et on a la semaine prochaine une première réunion d'un comité consultatif sur le devenir du Tivoli, dont l'association ici présente fait partie. On s'est entouré des architectes des bâtiments de France, de Histoire et Patrimoine, il doit y avoir des gens de l'association dans la salle, et on va réfléchir sur le devenir du Tivoli. Donc, l'actualité de ce soir nous permet de s'inscrire dans ce que disait Marie Valin. On a une vraie histoire culturelle, avec un éclectisme, avec des jolis paysages. On a aujourd'hui on est commune touristique, donc c'est aussi un vrai challenge pour le maire que je suis de valoriser la commune avec nos voisins, parce qu'on n'est pas tout seul, je vois le maire de Gétigné, on se cause, comme les bâtiments se causaient à l'époque, hein, quand Le Mont a construit sa villa, ça visite toute la ville de Clisson. Et donc l'intérêt touristique pour moi est parlant. Donc il faut qu'on avance, on va avancer tranquillement, sereinement, et puis on se reverra très certainement l'année prochaine pour essayer d'avancer. Alors, ça sera un concomitant avec l'aménagement de la porte Palzaise. Je rappelle quand même que les finances, je suis aussi tenu de bien les gérer, et donc ce sujet-là fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on va avancer, hein, je vous rassure. Je ne vais pas vous dire plus que ça ce soir. On débattra avec le comité, et puis sans doute qu'on fera peut-être un petit retour de manière publique un peu plus tard. Voilà, merci.